Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Over, heureux pour ceux qui étaient sur le live précédemment, et cette fois-ci, après Fallout Shelter, on va s'occuper de House Flipper, un jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire, je m'en souviens, un super jeu, j'ai passé pas mal de temps dès que je l'ai eu, après j'ai arrêté un petit peu, et je sais que depuis, il y a eu pas mal de nouveautés. Je regardais un peu, par moment je le lançais par-ci par-là pour y jouer rapidement. Je pense que j'ai plus ma partie, je crois que je l'ai écrasé. Pour recommencer une nouvelle, ou je crois que c'était limité, je sais plus. Sinon je vais voir là ça maintenant avec vous. Donc faut savoir que le jeu, actuellement je crois qu'il tourne autour des 10-20 euros. Comme depuis sa sortie, hein. Je crois que mon pote il l'avait eu pour 15 euros. Mais je suis plus sûr, hein. je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois. Donc House Flipper, qu'est-ce que c'est? Donc faut savoir que House Flipper, c'est pas un jeu d'horreur. Je peux faire le dur. Mais je pense que le jeu est quand même assez connu. Mais je vais quand même expliquer. C'est un peu un déco, pour ceux qui connaissent l'émission, avec Valérie Damido. En gros, vous avez des outils, vous pouvez nettoyer des maisons, réparer, casser des murs. C'est même plus que déco. C'est... Vous êtes un... transformateur de maison, un nettoyateur de maison, un peintre, un mécanicien, vous êtes tout. Vous faites tout dans une maison. On vous appelle, un mur à casser, des vitres à laver, des infestions de cafards à nettoyer, une soirée un peu trop alcoolisée. On vous appelle et vous vous occupez de tout. La maison devra être clean. Et donc voilà. Donc faut savoir que le jeu il fonctionne un peu comme un RPG, mais non, mais pas réellement. Vous avez des optimisations à chaque fois, vous pouvez améliorer certaines compétences et tout. Et donc, moi, ce que je propose, au lieu de parler, c'est de commencer. Donc, c'est parti. On va passer en mode plein écran. On va voir si ça marche. Allez, plein écran. On peut le faire. Donc, j'ai passé le jeu en maximum. Je sais pas s'il tournera bien. S'il y a des modifications à faire, je le ferai. Donc ce que vous voyez là, donc je pense que le jeu je serai pas au tout début. Il y a quelqu'un qui a joué sur ma partie. C'est... Ouais voilà, j'ai un problème avec la souris, attends. Ouais, voilà, c'est bon. Problème d'être sur le shadow par moment, il y a quelques petits bugs. Faut savoir que le jeu est aussi en QWERTY de base. Hein. Donc ça c'est ma maison au tout début. Donc faut savoir aussi que vous pouvez l'améliorer la maison. Donc je sais plus du tout. Hop, voilà. Vous voyez la crasse, on la casse. On nettoie tout, nous. La porte, on peut la nettoyer. Non, c'est juste une porte de merde. On peut sauter. Hop. On va nettoyer un petit peu la crasse. Hein. Je vous montre un petit peu le jeu. Hop. Ouais, il faut savoir que le balai, il a une assez grande portée. Hein. On peut tout nettoyer. C'est vraiment le balai magique qu'on voit dans les publicités en mode... Grâce à ça, nettoyez toute votre maison. Hop. Elle est écrasée, notre maison. Mais bon, ça c'est juste un petit avant-goût du jeu. Hop. Bon, ça a l'air d'être bon de l'extérieur. Ah, là aussi, les murs, ils sont pas beaux. Après voilà, c'est pas obligatoire de faire ça. Je le fais, c'est juste pour le fun. Donc ça, c'est pour peindre. Ça, c'est pour vendre des objets. Ah oui, la tablette a changé. Depuis mon truc. Donc là, on peut acheter du mobilier et tout qui seront utiles. Hein. Il y a un DLC Garden qui va bientôt arriver. Du coup, je savais pas. Donc, on pourra faire du jardinage aussi. Hein. On sera vraiment âme à tout faire. Ah voilà, là on a la molette pour tout. Et normalement je croyais qu'il y avait un truc pour nettoyer, mais faut croire que non. Voilà. Donc notre super maison, on a notre lit. On peut tout casser, tout réparer. Super toilette, hyper clean. Mais voilà. Donc là c'est votre bureau, c'est votre espace de travail. Work pour le travail. Hop. Et là on a accès au bureau.
Donc sur le bureau, qu'est-ce qu'on a? On a le moteur de recherche qui nous permettra d'acheter une maison. Faut savoir que toutes ces maisons sont disponibles et elles ont un prix quand même, hein. Faudra les payer. Pas gratuit. Donc pour l'instant, on en possède une qu'on pourra aussi vendre. Je sais pas comment. Aller à la maison, non. Liste. Bah, je sais plus où c'est, mais je crois que c'est parce que j'en ai qu'une sur pour l'instant. On pourra les revendre. Donc après, voilà, c'est un petit business à se faire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre maison. On peut voir que je suis assez riche en fait. J'ai 36 000 euros. Est-ce que je peux pas m'acheter une maison? À la limite, je pourrais même m'acheter une maison. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Là, moi, je vais vous proposer le début du jeu. Donc, comme je le répète, maintenant, les lives seront, au niveau de la découverte, seront inférieurs à 1 heure ou autour d'une heure. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure. Je me dis que c'est bien de faire la découverte de ça parce que trop, ça peut gâcher le plaisir de jouer. Je sais qu'après, vous pouvez partir de la vidéo et tout, mais j'ai vraiment envie de faire un truc assez court et limité pour que vous puissiez aussi apprécier le jeu de votre côté. Après, la méthode dont comment vous récupérez le jeu, ça m'intéresse pas. Hein. La plupart moi, de mes jeux que je vous présente sont achetés, je vous le rassure. Donc, boîte de réception. Donc là, on a trois missions qui nous sont offertes. Ça, c'est les missions que j'ai déjà fait. Vous voyez aussi des pourcentages de terminaison. Au bout de terminaison, non. Pourcentage de missions terminées. Donc là, moi, je vous préviens, j'essaie toujours de tout faire à 100%. Je crois que celle-là, c'est moi qui l'ai fait, celle-là aussi. Mais voilà, je vais vous montrer. Donc là, il y a la mission rajouter un mur, nettoyage d'un garage. Je veux me servir de toi pour rénover ma maison, mon mignon. Bien sûr, pour réparer sa maison. Donc, on va faire un nettoyage de garage. Donc là, on a juste accepté. Bonjour pour te dire, il faut nettoyer mon garage. Jeter tous les cartons, les poubelles et les vieux pneus. Pensez aussi à faire les vitres et les outils. Et les outils, le mieux, c'est de ne pas y toucher. Mon mari n'aime pas qu'on les déplace parce qu'après, il ne les retrouve plus. Salutations, Caroline Martin. On va accepter. Et donc là, on va se téléporter au niveau de la maison où il y a le bordel. Hein. Et je crois. Est-ce que si on fait échappe? Non. Là, on peut nettoyer. Je sais plus où c'est. Normalement, il y a un arbre des compétences. Voilà, amélioration. Voilà, on y arrive. Qui a réellement beaucoup changé. Je vous assure, avant, c'était beaucoup plus le foutoir. Donc voilà, on a 2 points de compétence en négociation. 2 points de compétence pour ranger. Nanani. Voilà, donc on va les attribuer, là, tout simplement. Hein. Possible de négocier le prix. Donc ça, c'est vraiment pour vendre les produits, ça ne m'intéresse pas. Exigence du chantier. Salaire pour les chantiers. Donc on va améliorer ça. Voilà, comme ça on est niveau 3. Pour moi, c'est le plus intéressant. Le reste, c'est pas réellement intéressant. Vu que j'essaie de tout faire à 100%. Oui, parce que le prix est en rapport avec le pourcentage de terminé. Pour ranger, vision perspicace. Tu vois quelques-unes des salissures sur la map. Ça, franchement, c'est un truc que j'avais pris à l'époque. C'est hyper bien. Bon balai espagnol, main rapide. Ranger 25 plus rapidement. Jette les poubelles. On a 2 points. Et je pense que ça, c'est déjà bien parce que le balai est très bien de base. Le balai espagnol surtout. Le balai de base, non, il est pourri. Démolition. Marteau amélioré, marteau professionnel. On a 2 points, du coup, je pense qu'on va faire ça. Et ça. Et au niveau de la peinture, le mieux, c'est de peindre 2 murs en même temps. Et de peindre hyper vite. La consommation, on le fera plus tard, c'est vraiment moindre. Caméra. Ok. Acheteur. Ok, donc ça, on a les potentiels acheteurs. Survie. Franchement, c'est pas mal, hein. Je pense que, tu voyais, au début, ils ont fait plein de petits assets. Ils ont dit, oh, on va mettre tout ça dans une maison. Et après, ils ont. Voilà. Franchement, c'est sympa. Allez, on va commencer la mission. Donc maintenant, on peut voir la map. Je sais pas si on peut grandir la map. Je sais pas comment on y accède. Ah si, c'est là. Et vous voyez, sur la map, on les voit maintenant, les salissures. Donc, on va commencer par rentrer. Bon, visiblement, on n'aura besoin que du balai, ici. Et le garage, visiblement, est juste là, on le voit sur la map. Hein.
Hop. Donc là, il y a juste à les ramasser, hein, débilement. Hop. Hop. Est-ce qu'on peut s'abaisser? Non. Si, avec C. Hop. Et on met du temps à s'abaisser. Non, ça ne va pas nettoyer. Hop. Hop. Donc franchement, c'est un petit jeu vraiment sympa. Vous pouvez jouer par-ci, par-là. Je sais qu'au début, j'y avais joué pas mal. Parce que bah, il est hyper prenant en fait. Moi, pas que tout ça s'est acheté. Il y en a des pneus. Ah, ok, non. Là, ça, bon, ils sont pas cassés. Il est hyper prenant ce jeu-là. En plus, je pense qu'avec l'extension Garden, il pourrait être vraiment encore mieux. Bon, après, vous pouvez bien tout ranger. Hein. Là, pour l'instant, je suis au mieux. Donc, au niveau des ordures, il nous en manque une. Je pense que c'est ça. Voilà. Oh, sur le côté, tout à droite, les trucs, ça a disparu. On a tout fait. Ici, on va nettoyer la vitre. Et le système de vitre est excellent. Ma sensibilité est peut-être pas la meilleure. Ouh. Ma sensibilité est vraiment à chier. Et voilà. Et tout ce qui reste, c'est maintenant à nettoyer le sol. Et voyez, comme par magie, tout disparaît. Waouh! Les traces de pneus. Parle bien des pneus de voiture. Hein. Je préfère toujours en mettre au clair. Une interprétation est vite arrivée. Et globalement, là, c'est plutôt une mission assez sympa, parce qu'en gros, là, c'est une mission nettoyage. Et après, vous aurez des missions de réparation. Et après, des missions de désinfection. Et après, il y a plein de types de missions. Franchement, c'est pas possible que vous vous ennuyez sur le jeu. Ok, après, si vous faites comme moi et vous y jouez trop, c'est fort possible que ça arrive. Mais voilà quoi. Et on a tout terminé. On peut faire entrer. Et terminé. Et voilà, on sera payé. Je sais plus où c'est la paye. Donc voilà, on a gagné 1000 pour faire du ménage. J'aimerais bien être payé autant pour faire le ménage chez les gens. Et donc là, on aura certainement une nouvelle mission qui sera apparue. Deux nouvelles missions. Salle de bain et atelier. Salle de bain supplémentaire indispensable. Donc je pense qu'on va faire une rénovation. On va recommencer. Hein. Je sais plus c'est qui avait joué sur ma partie. Parce qu'il faut savoir que je suis sur le Shadow. Et que par moi je le prête à certaines personnes. Et donc les gens se retrouvent à jouer. Je suis généreux. N'oubliez pas aussi. Si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires YouTube. Ou là durant le live. Mais j'ai un code promo pour les Shadow PC. 10 € de réduction pour vous et comme pour moi. Donc en vrai c'est intéressant. Est-ce que s'il y a quelque chose à faire? Non. Peindre avec la couleur citron. Chambre à coucher, un bleu somnolent. Donc c'est ici qu'il faut acheter du bleu. Donc là pour faire ça, on va faire la tablette. On a gagné un point de compétence dans le rangé. On va prendre le super balai. On va reprendre la tablette. On va acheter. Et donc la peinture, c'est où? Pas là-dedans, visiblement. Mur? Oui, voilà. Et eux, ils voulaient un bleu nuit, je crois. Hop, on va chercher bleu. Bleu nuit. Donc là, on l'achète, hein. On annule parce que c'était pas un bleu nuit. Heureusement que j'ai bien fait de regarder. Retour. C'est un bleu somnolent. Voilà qui est mieux. On va pas acheter de la peinture pour rien quand même. Hop. Et là, on va prendre la peinture. Ah oui, il faut remplir à fond le truc. Et là, on va pouvoir commencer.
Et voilà. Non, dites-moi pas. C'est aussi rapide hein, au début. Ah oui, ça va vite partir en fait. Voilà, juste avant on faisait le ménage. Maintenant on se retrouve à faire de la peinture. À distance, hein, bien sûr. Hein. Oh, ça se vide vite, hein, ce truc! What? Il y avait pas ça avant, c'est bien fait. Ah, c'est hyper bien fait. J'espère que c'est bien toute la chambre. Il faudra faire attention parce que à chaque fois les hautes fenêtres ne sont pas peintes. Et je sais pas s'il veut aussi les contours, donc on va les mettre aussi. Hein. On va devoir certainement racheter deux seaux. Faut savoir qu'on pourra les revendre, hein, donc c'est pas réellement un problème. Bon, ça va, on peut faire une bonne dose quand même avec ce mur. Donc ouais, c'est bien ce que j'ai peur, c'est que ça nous prévient pas si on a déjà peint le mur. Je crois que c'est la dernière fournée pour ce saut. Hop. On a 52% du travail fait. Hop, on va racheter un seau. Ça, c'est ce qui est bien par rapport à avant. C'est que là, on n'a même pas besoin de. Merde. On n'a même pas besoin de rechercher le seau ou quoi. Parce que. Il est déjà en gros prédéfini. Ouais, donc c'est bien ça. On ne. Est-ce que ça faut bien le faire? Ouais. On nous dit pas si le mur est déjà bien fait ou pas. C'est à nous de faire attention. Et ça, je m'en souvenais pas. Hein. Peut-être qu'avant c'était juste pas comme ça, hein, c'est possible aussi. Et après, vas-y, va pour retrouver l'endroit que t'as raté. Hein. Bah après, visiblement, ça a l'air d'aller là. Hein. Non, pas appuyé sur l'interrupteur. Ah, c'est bien. Un peu de lumière. Je sais pas pourquoi là-dessus c'est mis en surbrillance. Ah, aussi, vous pouvez choisir la couleur de surbrillance. Non. Voilà, il y a Google qui s'est lancé. J'arriverai jamais à comprendre pourquoi il fait ça. Ouh. On peint tout plein. Du coup, je remercie un de mes potes de m'avoir demandé de faire ce jeu en découverte, parce que en vrai c'est pas bête du tout, c'est un petit jeu sympa qui est pas cher, qui peut ravir vos femmes ou vos copines. J'ai pas ça par expérience. Hein. Bon, en tout cas, franchement, ouais, c'est un jeu chouette. Allez, on a presque fini. C'est ça qui est assez étrange. Il me manque des endroits. J'ai oublié où. Eh, visiblement, c'était pas là. Alors, où est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non. Non.
Alors là, le mystère. C'est toujours un endroit assez fourbe, hein. Bon, c'est pas grave, il y aura un peu de bleu à l'extérieur. Bon, moi, je sais pas. On reviendra ici après. Alors, peindre avec la couleur pêche. Ouïouïouï. Oh putain, cette salle, elle est géante aussi. Moi, c'est parti. Pas échappe. Va falloir que je commence à m'y refaire. Pêche, pêche, pêche. Si j'écris pêche. Ils veulent l'accent. Oui, mais je suis en QWERTY. Je crois que c'est pêche velours. Eh ben non, c'était pêche clair. Alors, le pêche clair. On n'a pas de pêche clair? Il y a pêche velours. Ah, si, pêche clair. 13 euros. Oh mon dieu, mais c'est pas cher. Hop, on va en acheter un deuxième. Va mettre là. Et un troisième, parce que je pense que 3 c'est bien. Ici. Allez, c'est parti. Yop là. Je fais une méthode un peu nymphe, mais si ça marche mieux. On est déjà à 7%. Commence à entendre des petits lags au niveau son de mon côté. J'espère que vous, ça va. On fera les fenêtres en dernière. Ouais, moi je monte sur les meubles des gens pour peindre. Et alors? Ouais, je pense que c'est ma connexion qui commence à merder un petit peu. C'est possible que du coup vous m'entendez ma voix buggée vu que je suis pas sur mon PC. Sur le Shadow. Faudrait qu'un de ces quatre je réussisse à m'enregistrer depuis Shadow directement. Mais je pense que ça sera pareil, je buggerai. Si je bug chez moi sur Discord, je vais bugger sur le Shadow. C'est une évidence. On est déjà à 26% là, c'est bien, la pièce elle est pas petite. On va d'abord finir ce pot. Avant d'en commencer un autre, on ne connaît pas le gâchis nous. Eh ben, je crois qu'on n'aura peut-être pas besoin de. Ouah, si, on en aura besoin. Et c'est ça qui m'étrange parce que. Qui est assez étrange parce que là pour moi on a déjà fait une bonne partie là. Ah, plus de peinture. Allez, on passe au second saut. Tableau, il va nous faire chier à tous les coups. J'avais dit qu'on commençait un saut avant un autre, mais la flemme commence à me hanter. La flemme du déplacement. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'au début, franchement, vous allez en baver pour repeindre des maisons, pour tout ça. Et quand vous aurez bien toutes les compétences, vous serez heureux. Mais vraiment. Parce que les compétences, ça change tout, ça change la vie. Moi, je peux vous dire, ça m'a changé la vie de pouvoir peindre genre 3 murs en même temps sans consommer 36 000 de peinture et peindre hyper vite. Mais c'est pas tout de suite ça, hein, bien sûr. Faut le mériter. Et pour ceux qui regardent mes rediffusions directement sur YouTube et qui veulent des covers, sachez que je suis en train de travailler sur une cover. Comment s'appelle cet anime? Domestic no Kanojo. Voilà. Qui est un super animé. Mais je préfère la version manga. En fan de du papier.
C'est tout à fait normal. Je vais regarder si ça lag pas pour vous. Non, ça a l'air d'aller. Ça lag que pour moi. Un peu chiant quand même. Mais bon, je vais faire avec. Hop, on va prendre le deuxième saut. 85%. Ça doit être là les derniers pourcentages. 92. Et il va me manquer encore des pourcentages. Hein. Je sais pas d'où. Allez, 94. Bien ça. Aïe aïe aïe. Ça, c'est à tous les coups, c'est un mur qui était mal peint ou un truc comme ça. Bon, c'est pareil. Hein. Si on finit pas entièrement, c'est pas grave. Je sais que j'avais dit que je faisais tout à 100%, mais. Vous savez. Oh. Ils font vraiment chier avec leur pêche. Allez, deux sauts, ça devrait le faire. Non, pas le balai. Et après, j'essaierai de faire une mission réparation. Enfin, réparation, aménagement. Même si je peux vous le montrer chez moi, ça serait cool. Ça, on aurait fait un peu de tout. On peut faire aussi une mission. Ouais, on va peut-être faire aussi une mission démolition. Et par contre, il faut savoir que le jeu prend beaucoup de temps. Il est assez chronophage. Faut que vous y jouez. Vous voulez avancer tout le temps. Enfin, moi, c'était mon cas. Je sais que mon pote, c'était pareil. Enfin, moi, un peu moins que lui, quand même. Lui était hyper fort au bout de 3 jours. Moi j'ai pris une semaine. Bon, après voilà quoi. Pas un gros rusher de jeu. Moi je savoure. Je dis pas qu'il savoure pas. Hein. Mais moi je le savoure entièrement. Jusqu'à la moelle. Est-ce qu'on peut réellement dire ça? Nouveau point de compétence. Dites-moi que c'est en peinture. Oui! Tu ne gaspilleras pas ta peinture. Oui, ça c'est cool, c'est ça qui me fallait. Oh putain, je suis débile, c'est ça qui me fallait. Ça, on pourra repeindre tous les murs et en étant sûr. Donc j'avais bien raison. Sans ma partie, c'était pas comme ça. Comment ça laguait pour moi au niveau son? J'espère que pour vous, ça va. J'augmente un peu le son pour moi parce qu'il est très faible en vrai. Je crois que pour vous aussi il est assez faible. Voilà. J'augmente un peu le son. Je vais quand même vérifier que c'est pas trop fort. Ça a l'air d'aller, c'est pas fort, mais ça va quand même. J'aurais peut-être, ouais, si les deux sauts seront utilisés. Allez, n'aie pas peur. Je commence à friser un petit peu de mon côté. Mais ça va aller. Allez, on garde son calme. Ce n'est que le petit vilain lag. Allez. Vous voyez, là, on vient de me dire que je pouvais finir parce que j'ai fait 75% de la mission. Oh, on a la torche. Et vous voyez, encore, il manque encore des pourcents, mais je sais pas où ils sont. Et là, je suis en train de spammer le bouton.
Mais y a rien derrière ces meubles, hein. Bah non, bah non. Bon. Je ne sais pas pourquoi. La salle de bain, y a rien à faire. Mais pourquoi ils disent que c'est une chambre ? Ils sont malades. Ils ont une case en moins. Elles sont tout autour. Petite croix. J'ai oublié la couleur. C'est du citron, quoi déjà ? Délavé, c'était bien ça. Non. Allez vite, descendons. T'es dans les premiers, je crois. Oui, 13,80€. Je crois que c'est pas le bon truc à faire de peindre avec un... Ah oui, putain. On économise tellement de peinture. Et ouais, c'est ça. Certes, au début, c'est chiant, mais on est obligé de passer par là si on veut vraiment tout peindre. Vite. Je sais pas pourquoi je parle en saccadé. J'espère que là, il va rien me manquer. Parce que là, on peut pas faire plus bête. Il y a même pas de fenêtre. Un tableau quoi, ou un miroir, je sais pas, cadre noir, on peut observer le vide à travers. Hop là, 53%, ça c'est cool. Je vais pas trop me disperser au niveau des zones que je peins parce que après je vais en encore en oublier. Je dis, oh, c'est pas possible. J'ai bien fait de pas en acheter deux de saut, parce que je pense que un ça sera suffisant maintenant avec la compétence. Ça change tellement la vie. Donc là, c'est bon. Et du coup, comme je vous disais, on va pouvoir vendre. Non, c'est pas ça. Et non, on peut pas vendre la peinture. Non. C'est bien triste. Mais là, où est-ce que j'ai oublié un truc ? Je veux bien avoir oublié un mur. Allez, on va la déplacer. Non, il n'y a rien ici. C'est pas comme s'il y avait un truc, hein. On va s'arrêter là. Hein. Ça sert à rien de faire plus. Hein. Au revoir, petite maison. Oui, 96%, ça va. Et on a gagné. Ah oui, 4000. Et du coup, on a gagné une nouvelle mission ou pas? 4 nouvelles missions. Non, c'est 4 messages. Salle de bain. Alors, on a rajouté un mur. Salle de bain et atelier. On va rajouter une salle de bain et un atelier. Accepté. Et après, on ira faire de la démolition ou un truc comme ça. On verra bien. Ne vous inquiétez pas. Oh, trop classe. J'adore. On peut vendre la voiture. Non, on va faire ça. Overlaps Progress. Je parle totalement en français. Oui, d'ailleurs, le jeu est en français. Mais je pense que vous l'aviez deviné. C'est pas cette salle de bain. Je crois que c'est juste en dessous. Que les missions sont plus ou moins les mêmes. C'est bien ça. Alors... Monter les équipements, enlever les cadres. Ils en ont beaucoup trop. Modifier les murs, enlever... Donc vous voyez sur la carte, on voit les nouveaux murs à mettre juste là.
Il ne vaudrait mieux pas faire ça. Je pense que c'était nécessaire. Ah merde! De l'autre côté, il fallait pas y toucher. Hop là. Lampe à poser de... Ah. La chaise. Ah bah si, il fallait tout retirer. Tapis rond. Il y a un tapis. Ils ont rêvé. Hein. Horloge. C'est immoral. Merde, c'est placé. Oh putain. Y a pas moyen de recommencer. On va faire retour au bureau et on va recommencer la mission. Ah le boulet. Fallait pas qu'il touche à ça. Allez. Salle de bain et atelier. Recommencer. Cette fois-ci, on va pas tout casser. En fait, on a fait un peu le Link. Là. On est rentré, on a tout pris, on s'est barré. Et on peut voir les bénéfices. Voilà. Donc c'est toute cette pièce-là qu'il faut retirer. Hop là. C'est bon, le solde augmente. Cuisine d'angle équipée. Ah donc ça si, il fallait le retirer de base. Table de la salle à manger. Rocher ustensile. Étagère à ustensiles. Buffet de la salle à manger. Chaise classique. Ah putain, oh mais le boulet. J'ai fait de la merde. En fait, tout ce que j'ai fait, il fallait bien le faire. C'est pas grave. Bon. Modifier les murs, on va commencer par ça. Construire des linteaux. Je sais pas c'est quoi des linteaux. Bon allez, on va construire tout ça. J'espère que je suis pas en train de me condamner, il y a une porte, oui. On va bien suivre le mur. Pas envie de faire de la merde en faisant des espaces. Non. J'ai cru qu'il était placé, que c'était terminé. Sauf que je crois qu'on a la masse. Hein. Donc dans le pire des cas, on casse le mur. Hein. Et puis l'histoire est terminée. Hop là. Ici, voilà, et du coup, il faut passer des chaises. Des chaises Elian, je sais pas quoi. Alors. Acheter. Étagère de garage. Armoire, peut-être. Étagère de garage, 21 euros. Je me demande vraiment si c'est basé sur des vrais prix. Ça serait sympa à savoir ça. Parce que pour moi, une étagère comme ça, ouais, ça fait vraiment 21 euros.
C'est quoi le dernier truc? C'est bureau standard. Un bureau, un bureau. Un bureau standard. Alors, c'est Shift molette pour le tourner. Et on va quand même respecter la personne, hein. Hop là. Bon, par contre, on nous a pas demandé de peindre, donc on va pas le peindre. C'est un vrai labyrinthe maintenant. Il aurait dû mettre une porte. Ah, ouais, mais pas dans la salle de bain, je suis débile. Alors, ici, il faut monter l'équipement. Hop. On va dévisser. Les boulons. On ne voit pas, bien sûr. Tu peux installer une douche. Allez, retour. Maison. Installation. Je crois que c'était pas ça. Salle de bain. Douche installée. Hop. Installée. On met les petits pieds. Et franchement, c'est hyper réaliste. Hein. En vrai, c'est vraiment comme ça. J'ai déjà placé une douche. J'ai déjà monté une douche. Et je peux vous assurer que c'est bien comme ça. Bon, pas aussi complexe. Hein. Et en général, on n'est pas tout seul à monter une douche parce que c'est la merde. C'était dur d'avoir accès au truc. Hop là. Bon, au début, vous serez un peu perdu parce que vous saurez pas quoi faire. Hop. Hop. Et comme vous pouvez voir ce que je fais, vous allez retenir. Vous êtes des bons élèves. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Les vis, on sait pas pourquoi, mais elles brillent un truc de malade. On a une meilleure vue d'ici. Hop. Hop. Et hop. C'est terminé. Ah. Ouais, c'est pas terminé. Faut mettre les consolidations. Mais du coup, je me demande comment ça s'ouvre ce truc. Ah ok, il y a un petit décalage. C'est ça qu'il doit faire. Ah, j'avais pas vu. C'est bien animé, hein, le petit truc, regardez en haut. Ah, j'ai un doute. Aïe aïe aïe, le truc est totalement fake. Il ne bouge pas en même temps que le truc. Bon, après, faut vraiment faire attention aux détails. Hein. Mais quand on commence à développer des jeux, on fait vraiment attention aux détails. Les fenêtres font aussi un bruit bizarre. Mais ça, c'est autre chose. Allez, on dévisse ça, on va mettre un évier, je crois, ici. Un lavelage. Oui, c'est aussi possible. Salle de bain. Allez, installons cette magnifique chose qui est horrible à monter. Non, pas encore une fois. Ok, Google, il est content ce soir. Bien sûr, vu comme j'ai dit ça, ça s'est lancé. Ça m'a sorti, il est content ce soir. Je crois que c'est parce qu'il essaie de me répondre parce que je touche seul à chaque fois. C'est dur de parler tout seul pour présenter des jeux, pour faire des let's play et tout. En vrai, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu être aussi compliqué.
Maintenant, je connais l'expérience de faire des lives. J'espère toujours un jour où mes lives se lanceront réellement. Ah, c'est ça. Je cherchais le truc à faire, mais... Hop là. Et on visse. Le tuyau d'évacuation. Nouveau point de compétence. En quoi? Homme à tout faire. Les carreaux, le montage ou le plat. Améliorer le montage, son début c'est surtout ça qu'il y a. Allez. Ça sera là l'évier. Si c'est une salle de bain, mais il est où le toilette? Je suis con, il n'y a pas forcément de toilette dans une salle de bain. Mais il y a quand même un évier, hein. Je tiens à le dire. Allez, c'est parti pour l'installation de la baignoire. En espérant qu'elle ne cassera pas. Qui sait, n'est jamais arrivé d'avoir une baignoire qui casse. Hop, on place ça. Le petit trou d'évacuation. Ça va, j'ai de bons réflexes, hein. Ça fait... Ouais, ça fait un an, hein, vu que j'ai eu pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 17 mai. Ça va bientôt faire un an que j'ai pas joué. Je sais toujours l'ordre de... Fabrication des objets. Hop là. On serre les boulons. Le deuxième. Je crois qu'on a presque fini. On a fini. Et on a plaqué. C'est que trois équipements. Ah, donc j'ai bien des toilettes. J'avais bien raison. Toilette standard. Allez. Installé. Ça va, un toilette, c'est pas compliqué du tout à installer. Et voilà, le toilette est installé. Vraiment rapide. Et il nous reste un truc à monter. Qu'est-ce qu'il nous reste à monter ? Est-ce qu'on a des détails sur la mission? Annulé, je veux pas livrer le chantier. Bon, on va déjà acheter le tapis. Sol, tapis rond. Bon, pour la baignoire, hein, c'est plus intéressant. Support pour un rouleau de toilette. Salle de bain, je ferai. Parce que je trouve que c'est une bonne aspiration. Et là, il nous reste un objet à placer, mais qu'est-ce que ça peut être? J'aurais bien dit un évier, mais... Ah bah oui, c'est bien un avis, il fallait bouger le meuble. Ah, ça a changé, il n'y avait pas ce petit bouton rouge. Et du coup, je pense qu'il n'y aura pas de démolition, parce que, bah, vous vous doutez, la démolition, c'est juste casser des murs. Et du coup, après cette mission, je pense qu'on arrêtera. Je suis vraiment désolé pour ceux qui en voulaient. Si vraiment vous voulez que je fasse d'autres lives sur le jeu, qui est vraiment bien, hein, dites-le moi. Et je m'exécuterai. Vous allez voir comment c'est simple de construire un évier.
Bon, en vrai, je sais pas comment ils accèdent à cette partie-là. Ah, si, je sais comment. Mais pour moi, la vie est en dessous, il n'y a pas de trou. Ça a changé, c'était pas aussi beau, l'évier. Ils ont fait des graves améliorations graphiques. On serre le truc, même si normalement on met d'abord, ouais, voilà le tuyau. Mais bon, visiblement, ça se met tout seul. Et là, c'est le moment où je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ok. Hop là, c'est terminé. Et on a gagné combien avec tout ça? On a gagné quasiment 10 000 là. Pas cool ça. Ah ok, attends, je crois qu'il y a deux. Il y a quelqu'un qui s'est éclaté à mettre une deuxième porte ici. Et il fait pitié avec son marteau. On va regarder la vieille porte. On va acheter un radiateur. On va vraiment la rénover avant de partir. Allez, je suis chaud. Installation. Salle de bain, peut-être. Non, je crois que c'est dans l'installation. C'est un grand radiateur ou pas? Non. On va prendre le petit. Acheter maintenant. Bon, on va vendre le lit, visiblement qui nous dérange. Ouais, voilà, il nous dérangeait. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment on fait le radiateur. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous avez dit que c'était compliqué de faire un radiateur? Bah, on vous a menti. On va aussi vendre les portes. Je commence à en avoir marre de me tromper dans les touches. Là, c'était pas un fail, je vous rassure. Non, moi je. Non. Il n'y a pas. Ah, porte. Une belle petite porte noire en ébène. À 205 euros, d'accord. C'est quand même plus plaisant. On va prendre une autre petite porte pour la maison. J'irais bien mettre une porte de sauna pour la salle de bain. Bon, on va mettre une porte de sauna. Shift molette. Bah voilà. Alors, on va vendre. J'ai vraiment du mal. Hop, hop. C'était vraiment crade. Et avec le super balai, nettoyez toute votre maison. Et en plus, maintenant, on voit toutes les traces. Hein. Ok, ça c'est juste. C'est juste crade. Bon, bah, la lampe, hein, tu as dégagé aussi. Hein. Et on va passer au niveau de la décoration, salle de bain. On va installer l'évier. On a un petit peu de temps. J'avais dit 1 heure le live. Et voilà, l'exception. J'avais envie de construire.
Bon, après, ça, c'est de l'extra, hein. Ça présente pas réellement le jeu. Hein. Et j'ai dit à peu près une heure. Soyons raisonnables. J'ai dit que ça pouvait dépasser par moment. Et ça va certainement souvent dépasser. Je me connais quand je suis épris d'un jeu. Hop, hop. Et voilà l'évier qui est construit. Passons maintenant à la douche. Il n'y en a pas des plus belles de douche? Non. La douche, il va prendre 3 ans. Ouais, non, on va pas faire la douche tout de suite, en fait. Mur. Est-ce qu'on peut avoir du carrelage? On est bien sur du carrelage mural, là. Je vois bien ça. Acheter maintenant. Alors, est-ce que c'est avec ça? Je sais plus du tout comment on fait pour mettre le carrelage. Ok, ça sera pour plus tard. Du coup, je crois qu'il nous faut le truc pour poser le carrelage et je l'ai pas encore. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà... On va continuer à nettoyer un petit peu. Hop. Ça devient un peu plus propre. Et vous voyez, on voit vraiment toutes les traces sur la map. Et ça, c'est magique. Les toiles d'araignée, les... La crasse. Allez, on va nettoyer vite fait les crasses de dehors. Ah, voilà, ils étaient au-dessus. Allez, on fait le tour vite fait. Je crois que là, c'est bon. Perfecto. Bon, si on peut pas faire ça pour l'instant, on va quand même mettre une nouvelle lampe là-bas. Lampe plafond. Une petite lampe halogène qui fait plaisir. Est-ce qu'on aime l'économie? Hop, on va vendre ça. Elle est tombée. Genre, elle avait pas le temps. Lampe de plafond. Alors, on va vraiment se faire plaisir. Hop, avec un petit bois comme ça. Ça donne quoi quand on l'allume? Ah, c'est beau quand même. On va juste refaire cette pièce pour l'instant. Hop. On n'a pas besoin de tous ces outils. Hein. Tout, c'est une maison qui va être revendue après. Tout est cassé. Hop là, rapidement. Pour les murs. Peinture. On va mettre un beau rouge. Un orange, voilà. On va acheter d'orange. Pas une couleur que j'apprécie énormément, mais je pense que ça peut rendre bien. Je vous assure, c'est pas simple de peindre sur du plâtre. Pas simple du tout. Là, on a la chance d'être dans un jeu, mais en vrai, quel calvaire de peindre sur du plâtre. Vous allez voir, la maison, elle sera bien plus belle. Bien plus belle. Je peux parler. Bien plus belle. Ça, on le voit déjà. Hein.
On arrive là, on se dit waouh! Après, quand on regarde l'envers du décor de comment c'était avant, on se dit ah ouais, quand même! C'est bon, là, je vais me retrouver à aider mes parents tous les soirs à peindre la maison. Ce jeu me donne vraiment des envies comme ça. Pauvre PC qui est par terre en train de pleurer. Hop. Allez, remplis-toi. Ouh. Je maintiens le clic tout le temps là, c'est bon. Je ne le lâche plus. Et une fois qu'on l'aura terminé plus tard, je la revendrai. Pour en refaire une autre. C'est bien de la vente de maison. Et je crois que c'est un lien avec ça. Au niveau des acheteurs. Voilà, il y a ça. Adresse, Tanani, trois enfants. Changchua. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les acheteurs. Ah, moi, je vais me mettre comme ça dans la rue, j'ai peur. Désolé à toutes les personnes qui se mettent comme ça dans la rue. Bah, c'est sûr, en cas de radiation, ça peut être utile, de gaz toxique. Radiation. Ça changera certainement rien. Enfin, si. Je pense que ça changera quand même. On n'inhale pas les radiations quand même. On a presque fini. Bon, pour l'instant, je m'occupe que de cette pièce. Hein. Sinon, je peux pas mettre le carrelage encore. Ah, il va falloir le vendre, ce putain de tapis tout moche. Bah voilà qui est mieux quand même. Là on est dans une vraie pièce. Bon, bah, c'est encore quelques défauts. Hop. Il reste encore de la crasse. Alors, au niveau des achats, on va acheter un lit. Une cuisine déjà, ouais. Alors, shift molette, est-ce qu'elle passe? Non. Trop grand. Voir plus petit. Oh, ça doit passer, non? Voilà. Passe pile poil, hein. Pas mal. Bon, il manque une gazinière, mais bon. Non, je ne veux pas faire de mur. On va placer un lit. Non, je crois que c'est plutôt dans le mobilier. Hein. Ouais, voilà. Un petit lit. Un beau petit lit. Hop. Ah, ça change quand même. Hein. On va pas le nier. Un bureau. Un bon bureau de coin comme ça, c'est bien. Par contre, je vais le prendre en gris comme ça, c'est bien. T'as la main occupée par quoi? Hop. Et du coup, on peut acheter le bureau ou pas?
Hop, petit PC, tu viens là. Hop, échappe, on va acheter une chaise aussi. Voilà, chaise. Ah, la bonne chaise de bureau. Pareil, il manque un truc ici, on va regarder vite fait. Non, pas garden, s'il vous plaît. Décoration. Ah bah je sais ce qu'on va mettre. On va mettre un petit dragonnier. Ensuite, que nous on a un artiste dans l'âme. Hein. Ok, c'est de la merde. C'est trop petit. Je veux un bon gros truc. On va descendre dans les trucs bien chers. Y a pas poster. Ah, il faut une télé, bah oui. Ah, c'est pas mal fourni. Bon, bah visiblement, on n'a pas le droit au poster. On va foutre un petit lapin gris. Ben non, mais moi je le veux sur le lit. Hop là, et voilà. Bah voilà, ça a bien changé quand même. Donc je vous remercie tous d'être venus sur le live. Ceux qui sont venus. Merci à ceux qui regarderont la rediffusion. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres découvertes et pour du Dragon Quest ou du Supraland. Allez, ciao ciao les gens, et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à follow aussi la chaîne Twitch et à s'abonner sur YouTube. Allez, bye bye les gens, et vraiment merci de me regarder, ça fait plaisir. Même si par moments vous me parlez pas, vous faites juste un petit coup d'œil, c'est déjà ça. Allez, bye.